Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kev. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo un petit peu particulière sur nos super guitaristes de TikTok. Alors je vois des vidéos comme ça tourner un peu sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas faire ma propre vidéo, voilà. Et on va voir ensemble nos super guitaristes et tout simplement on va voir s'ils sont fake ou pas fake. C'est parti, let's go. Et c'est parti pour la première vidéo. Pas possible de voir ça. Alors cette vidéo a 1 700 000 vues. Donc 1 700 000 vues, c'est quand même énorme. Pour un fake d'une qualité extraordinaire. Alors il faudra m'expliquer comment une corde peut faire un accord. Je sais pas ce que ce monsieur ou cette madame a comme marque de guitare, mais j'aimerais bien savoir laquelle c'est. Parce que chez moi, une corde, ça fait une note, pas un accord. Évidemment, c'est un fake. Suivant. Deuxième vidéo, les amis, c'est parti. Hop. Là, on voit que c'est un peu plus réel. Un peu plus réaliste, voilà. Très bon son. Très très bon son. Le gars, on voit qu'il gère la gratte, y'a pas de soucis, ça sonne. Ouais, très très beau. D'accord, très bien. Alors là, on voit clairement que c'est un réel guitariste. J'appelle ça un vrai musicien, voilà. Mais en tout cas, on voit déjà que c'est plus réel. Donc, ce guitariste n'est pas un guitariste fake. En revanche, j'ai un petit doute si c'est du playback ou si c'est en direct. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est un vrai guitariste. Suivante. Là, c'est du live, direct. No fake. Ça se voit tout de suite. Et là, on a clairement un guitariste qui gère. Hein. Là, il n'y a pas de souci. La guitare sèche, c'est impressionnant. Alors ça va vite quand même, mais on arrive à voir que déjà c'est un vrai guitariste et que là c'est du live. On entend même les petits bruits ambiants. Donc clairement c'est un vrai guitariste. Voilà, clairement c'est un vrai guitariste. Vidéo suivante. Alors, les cordes de couleur, c'est assez particulier. Hein. Là, non mais, non c'est juste pas possible. Mais comment 1 400 000 personnes peuvent regarder ces vidéos quoi. Malheureusement j'en fais partie en plus puisque je les regarde. Mais bon c'est encore autre chose, c'est pour débriefer. Là clairement c'est pas vrai. Là c'est pas vrai, clairement c'est pas vrai. Déjà on voit pas sa main gauche, voilà. Donc déjà on a forcément un doute de savoir si c'est lui qui joue. Et on voit clairement, on voit que c'est du fake. Voilà, c'est pas vrai. Voilà. Vidéo suivante. N'importe quoi. Et ça, c'est pareil. 1 700 000 personnes qui croient et qui like ce genre de vidéo. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Que sont devenus les guitaristes? Que sont devenus les guitaristes? Avec ça, forcément, on peut se poser 1 milliard de questions. Évidemment, c'est du fake. Il n'y a pas à sortir d'une école de je sais pas d'où pour savoir que, évidemment, c'est du fake. Allez, suivante. Mais c'est quoi ce truc? Fake. Super. Alors, les notes commencent, montent, descendent, alors que les doigts ne bougent pas. Formidable. Ah là ça vaut des points, là ça vaut des points. Ça, ceci est un instrument magique. Je vais me l'acheter. Non mais sans déconner, 1 200 000 personnes qui likent ce genre de vidéo. Mais c'est de la grosse connerie. Comment on peut liker ça quoi? Je sais pas mais... Où va-t-on sans déconner? Et c'est quoi ce truc? C'est quoi cet instrument de merde sans déconner?
apprenez à jouer de la guitare, c'est mieux, parce que faire ce genre de vidéo, c'est bah, nous décrédibiliser complètement, quoi. C'est dommage. Suivante. Du live. Ça, c'est propre. Ça, c'est très propre. Très bien joué. Là, on a un niveau extraordinaire. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Là, il gère. C'est pas un fake. Avec les doigts, à l'aise. Merci Seigneur de nous laisser encore l'opportunité et la chance de voir des vrais guitaristes. Ça fait vraiment du bien. Parce qu'après les merdes qu'on a vues avant, sans déconner, ça fait du bien. Allez, on s'en fait une petite dernière. C'est parti. Franchement, j'y ai cru, là, sans déconner. Là, j'y ai vraiment cru, excusez-moi. Allez, non, allez, on s'en fait une dernière, mais vraiment une dernière, c'est promis. Ah, tiens, ça joue alors que ça gratte pas. Encore un joli fake, c'est dommage. Ah, en revanche, j'adore le petit plan vidéo comme ça. La prise du manche, très très belle. Mais dommage que ça soit de la merde. Voilà, dommage, c'est de la merde. C'est de la merde. Je suis désolé, mais... Comment on peut kiffer et liker, voilà, encore une vidéo qui a fait presque 600 000 vues pour du fake et de la merde. Dommage. Bon, je suis un petit peu plus sec en fin de vidéo comme ça. Mais quand on regarde ce genre de vidéo, clairement, comme je le disais, nous, ça nous décrédibilise complètement. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Alors, pourquoi faire ce genre de vidéo pour les vues? Il y a que ça, hein. Voilà. Hein. Parce qu'aujourd'hui, plus on fait de la merde... Mieux on est référencé, ce qui est complètement à l'encontre de ce que moi je fais, voilà. Moi je fais du réel, j'ai mon petit niveau, sympathique, je suis content, voilà. Et surtout, je suis vrai, voilà, par rapport à ce genre de personnes. Après, je ne crache pas sur ces personnes, elles font ce qu'elles veulent. Mais c'est dommage, comme je dis, c'est quand même plus gratifiant de savoir vraiment jouer de la guitare plutôt que de faire du fake comme ça. C'est dommage d'en arriver là, juste pour des vues. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Alors vous avez vu, on a des gros et énormes fakes, mais on a évidemment, et je le savais, des guitaristes, des réels, des vrais guitaristes qui savent jouer. Alors c'est dommage pour les fakes, comme je dis, voilà. Mais bon, c'est pour les vues, donc pour les vues, on serait prêt à faire n'importe quoi. On serait prêt à faire même de la merde pour pouvoir se taper le million de vues et être content. Alors c'est vrai que d'une certaine façon... Pour des personnes comme moi, voilà, qui savent vraiment, réellement jouer, c'est quand même un petit peu, on va pas dire démotivant, parce que voilà, moi je sais où je vais, je sais ce que je fais et ça me plaît. Mais c'est vrai que quand je regarde ce que je fais moi, le nombre de vues que je fais et ces guitaristes fake, et forcément, 63 vues comparé à 1 million, faut se poser des questions quoi. Je me demande si aujourd'hui les gens ne préfèrent pas la merde. Plutôt que quelque chose de créatif, voilà, quelque chose de vrai. Mais bon, c'est comme ça. Il faut tout pour faire un monde. En tout cas, je te dis encore une fois, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'en referai d'autres comme ça parce que très franchement, sur TikTok, il y a vraiment des grosses pépites à voir. Et dès que je vais voir quelque chose, voilà, moi, je mets dans les favoris, j'enregistre. Et c'est parti, je fais une vidéo pour vous. En tout cas, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, je vous mets... le lien de ma petite chaîne TikTok. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. J'y poste assez régulièrement, voilà, que ce soit des vidéos de guitare ou même de reptiles, puisque j'ai des reptiles à la maison, ou même des animaux en général, avec les chiens, les chats, tout ça. Je fais des trucs assez sympas, donc n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!